Le 1er octobre 1969, j'ai commencé à subtiliser plusieurs centaines de pages de documents ultra-confidentiels conservés dans mon coffre à la RAND Corporation. Une étude de 7000 pages en 47 volumes. J'avais décidé de photocopier cette étude pour révéler au peuple américain l'histoire secrète de la guerre du Vietnam. The FBI was trying to find out who gave the New York Times a copy of the Pentagon's secret study. C'est un coup de tonnerre. Le New York Times publie le dossier du Pentagone et c'est la panique générale. This is an attack on the whole integrity of government. If whole file cabinets can be stolen and then made available to the press, you can't have orderly government anymore. A name has now come out as the possible source of the Times Pentagon documents. It is that of Daniel Ellsberg, the top policy analyst for the Defense and State Departments. I think it is time in this country to quit making national heroes out of those who steal secrets and publish them in the newspaper. Nous venions de nous marier et il était question de l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Nous étions convaincus que la sécurité nationale était gravement menacée. Henry Kissinger a déclaré que Daniel Ellsberg était l'homme le plus dangereux des États-Unis et qu'il fallait le neutraliser. J'ai commencé à travailler pour le Pentagone le 4 août 1964, sous la direction du secrétaire à la Défense, Robert McNamara. C'était mon premier jour à ce poste, et le ciel nous est tombé sur la tête. Un planton est arrivé en courant avec un message prioritaire qui signalait que deux navires de guerre américains étaient attaqués dans le golfe du Tonkin, au large des côtes du Nord-Vietnam. Au moment où ce message me parvenait, mon supérieur était déjà en train de choisir avec McNamara des cibles possibles pour des actions de représailles. À chaque minute, un nouveau message nous parvenait. 3 torpilles tirées contre nous, 7 torpilles. Nous entamons des manœuvres dilatoires. À 13h30, heure de Washington, un nouveau message du contre-amiral commandant les deux unités. Suspendez toute action. Les informations concernant les torpilles sont sujettes à caution. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Within days, très rapidement, il était devenu évident que ces attaques n'avaient pas eu lieu. I shall immediately request the Congress to pass a resolution. Le président Johnson était déterminé à empêcher une victoire communiste au Sud-Vietnam. Il a déformé la réalité de l'incident du golfe du Tonkin afin de convaincre le Congrès de lui accorder les pleins pouvoirs pour engager les forces armées. Et il a déclenché un conflit qui allait durer 11 ans. Senator Fulbright, you moved the Tonkin resolution through the Senate. Did you know anything about this? I accepted the story given to us by the President and Mr. McNamara and Mr. Rusk, and I believe General Wheeler. I had no reason at that time and under those circumstances to doubt the validity, the truthfulness of this whole operation. We still seek no wider war. No wider war? Des opérations limitées, au Pentagone, il devenait évident que notre objectif prioritaire était une guerre à grande échelle, qui devait commencer au lendemain des élections présidentielles. It's a war that I think ought to be fought by the boys of Asia to help protect their own land. And for that reason, I haven't chosen to enlarge the war. And that was a conscious lie. C'était un mensonge flagrant. Au sein de l'administration, tout le monde savait la vérité, mais personne n'a rien dit à la presse ou aux citoyens pendant la campagne électorale. C'était un secret partagé par des milliers de fonctionnaires, y compris par moi. Much has been written about the war in Vietnam, but little has made us understand what it is really like.
My guest today, David Halberstam. I had a radio program. À l'époque, j'animais une émission de radio qui était retransmise dans tout le pays. J'étais basée à Washington et j'interviewais des élus et des membres de l'administration. Un ami commun m'avait proposé d'organiser une soirée en mon honneur. Et en faisant la liste des invités, il m'a dit, « Je vais inviter ce garçon, mais méfie-toi de lui. C'est un homme brillant, mais dangereux. » Il venait de divorcer et c'était un homme à femme. Il a sonné à la porte, j'ai vu ses yeux bleus et j'ai eu un coup au cœur. Il était très beau garçon. Je trouvais qu'elle était trop bien pour moi. Je travaillais le samedi toute la journée, 12 heures d'affilée et la moitié du dimanche. Quand j'ai eu un jour de libre, je l'ai appelé et je lui ai dit « Je suis libre demain. Est-ce que cela vous tente d'aller voir les cerisiers en fleurs ?» J'ai répondu « Non, je couvre une manifestation pacifiste pour la radio. » C'était mon premier jour de congé, je travaillais sur la guerre 70 heures par semaine et elle me demandait de participer à une manifestation pacifiste. Nous avons défilé autour de la Maison-Blanche. Je portais son magnétophone, qui était très lourd, et je me disais, j'espère que je ne serai pas en photo dans le Washington Post de demain. J'aurais du mal à expliquer ma présence. Je suis tombée sur des amis, des militants de gauche. Ils m'ont dit, comment peux-tu sortir avec un type qui travaille sur le Vietnam pour le Pentagone? Au début de 1965, le conflit au Vietnam est sur le point de s'étendre, et j'étais l'un de ses artisans. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, m'avait demandé de recueillir des preuves des atrocités commises par le Viet Cong. Il espérait que ces informations allaient convaincre le président Johnson de lancer une campagne de bombardement systématique du Nord-Vietnam. J'avais exprimé mon opposition à un bombardement du Nord. Mais quand McNamara ordonnait une action rapide, c'était comme un ordre de Dieu. Je disposais de toute une équipe chargée de réunir des informations au Vietnam. J'ai dit au colonel sur place que je voulais un rapport pour le lendemain à 7 heures. Je voulais des précisions sur les atrocités commises par le Viet Cong sur l'ensemble du territoire vietnamien. Et surtout, je voulais des détails sanglants sur les blessures infligées aux Américains. J'ai dit au colonel, je veux du saignant. Au début des années 60, Daniel Ellsberg était l'un des principaux jeunes experts militaires. La bombe atomique avait changé la donne. Les militaires ont compris qu'il fallait repenser la doctrine et ils ont créé la RAND Corporation, basée en Californie, pour être hors d'atteinte de Washington. On attendait des chercheurs, des idées neuves et audacieuses. Ellsberg entre à la RAND Corporation en 1959, à l'âge de 28 ans. Dan impressionnait tout le monde. Il était brillant, plein d'imagination. Il était rompu à l'analyse technique et doué d'une pensée logique remarquable. Il trouvait des idées neuves partout. Il pouvait lire des nouvelles et en tirer des idées. À Harvard, j'avais travaillé sur les processus de décision dans des situations d'incertitude. À la RAND Corporation, j'étudiais le pari le plus risqué de l'histoire de l'humanité, la décision de lancer des missiles nucléaires en réponse à des signaux ambigus. Il tentait de répondre aux questions suivantes. S'il faut faire la guerre, comment minimiser les risques? Qui devait prendre la décision? Comment fallait-il communiquer les décisions? Et quelles étaient les options du président? À 4 heures du matin, j'avais ce que je voulais.
Le colonel m'a dit, nous venons d'apprendre que deux conseillers américains ont été faits prisonniers et exécutés. J'ai demandé des détails pour pouvoir rendre l'information plus dramatique. Le colonel m'a répondu que leurs corps portaient des traces, comme s'ils avaient été traînés sur le sol à l'aide de chaînes. J'ai dit, parfait. Donnez-moi d'autres détails. C'est exactement ce qu'il me faut. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? C'était le seul incident de ce type à leur connaissance. C'était peut-être le seul cas impliquant des Américains dans toute la guerre du Vietnam. Il ne m'en fallait pas plus pour mon rapport. À 6h30, il était prêt. Peu après 9h, McNamara est revenu de la Maison-Blanche. Il a dit à mon supérieur de me remercier pour ma contribution, c'était exactement ce qu'il lui fallait. C'est l'épisode dont j'ai le plus honte. À un moment décisif, en fournissant une information, j'ai aidé McNamara à convaincre le président de lancer une campagne de bombardement systématique à laquelle j'étais totalement opposé. Dan Ellsberg est un garçon qui vivait tout très intensément, mais rien ne l'a autant affecté que le sentiment de culpabilité pour tout ce qu'il avait fait dans les premières années de la guerre. Of the war. He had an important role. Il a joué un rôle crucial dans ce qui allait être le bombardement le plus disproportionné de l'histoire. Proportional bombing campaign in the history of the world. Dan n'était pas un fonctionnaire indifférent au Vietnam. C'était un ardent partisan du conflit. I saw our involvement in the context of a worldwide conflict with communism, a Cold War perspective that I shared with most of my fellow officials. Vietnam, Vietnam! Vietnam, Vietnam! Je partageais une conviction qui avait cours dans l'administration. Quand un pays était allié des Américains, c'était une bonne chose pour nous, mais aussi pour le pays en question. Il y avait une dimension idéaliste dans cette position. Au Vietnam, nous étions censés défendre la démocratie ou la possibilité d'une démocratie contre une dictature stalinienne. Je ne voulais pas suivre à distance, depuis Washington, la guerre dans laquelle nous étions engagés. Je voulais aller sur le terrain. J'avais appris chez les Marines que pour bien connaître la situation, il fallait être au front. Au quartier général de la division, on m'a montré le tableau de service des patrouilles qui quadrillaient la zone chaque nuit. J'ai choisi une patrouille. Et à ce moment-là, l'officier commandant le bataillon m'a avoué qu'il n'y avait plus de patrouille nulle part. Le tableau était un faux, une illusion, comme toutes les statistiques optimistes qui nous parvenaient depuis des années. Nos soldats au Vietnam n'effectuaient plus de patrouille de nuit. Seuls les Viet Cong sortaient la nuit. La nuit, le pays leur appartenait. Nous étions très amoureux. J'ai rejoint Dan au Vietnam et c'est là qu'il m'a demandé en mariage. À une soirée, un type qui avait été au Nord-Vietnam nous a décrit les effets des bombardements. Ça m'a littéralement rendu malade. En quittant cette soirée, Patricia, qui avait un peu bu, m'a dit « Comment peux-tu être complice de ça ?» En fait, il était plus impliqué qu'il n'en avait conscience. Et moi, je me disais, je suis contre les bombardements, j'essaie d'arrêter tous les bombardements au Sud-Vietnam. Je fais tout ce que je peux pour limiter les massacres.
Non seulement elle ne s'en rend pas compte, mais elle me rend responsable de toute la guerre. Après mes critiques, exprimées avec beaucoup de passion, Dan s'est refermé comme une huître. Il m'a dit, je ne vois pas ce que je fais avec quelqu'un qui me condamne, qui ne voit même pas que je risque ma vie pour arrêter les bombardements et démocratiser ce pays. Il continuait à partager la vision officielle de la guerre. Ses collègues, les gens du département d'État, adoraient cette mission dangereuse. Ils aimaient le risque et l'aventure. Ils se prenaient tous pour John Wayne. Des tas de types voulaient entrer dans les Marines pour se prouver qu'ils étaient à la hauteur. Je n'ai jamais été un bon joueur de baseball. Je ne savais pas me servir d'une arme. Je voulais être soldat. Voilà ce que j'ai trouvé chez les Marines. J'étais le seul lieutenant dans la 2e division de Marines qui commandait une compagnie de fusiliers et j'aimais ça. J'étais responsable de 211 hommes, de leur bien-être et de leurs conditions physiques. Quand j'y repense, c'est la plus belle période de ma vie sur le plan professionnel. Je suis repartie. Je voyais bien qu'il s'était replié sur lui-même. Son cœur était enfermé dans un coffre dont j'ignorais la combinaison. Je pensais que tout était fini entre nous. Comment pouvais-je épouser quelqu'un qui ne m'accordait même pas le bénéfice du doute dans cette affaire? Pour moi, nos fiançailles étaient rompues. I first met Ellsberg in the paddy fields of the northern Mekong Delta in mid-1966. He had a Smyser submachine gun in his hand. He was dressed in fatigues and he was attempting to lead an American infantry company on an attack on a sniper position in a hamlet. Dan Ellsberg then was very hawkish and very eager. And was he then a Marine? No, he wasn't. He was a civilian. I asked him what the devil was he doing in the Mekong Delta with a Smyser machine pistol. He said he had gone there to look at how the war was going. He felt it wasn't going very well and he wanted to see it go better. Je marchais en tête avec trois hommes en éclaireur de la compagnie pour prévenir une embuscade. On a entendu des coups de feu derrière nous. En me retournant, j'ai vu deux Viet Cong en guenilles qui tiraient à la Kalachnikov. You get on that position, there'd be no one there, and then you'd be hit from another clump. And I believe that bands were working us, essentially, alternately leapfrogging each other. Ils devaient être cachés dans l'eau quand on est passé, et ils tiraient sur les soldats qui nous suivaient. On ne pouvait pas leur tirer dessus sans risquer de toucher les nôtres. Now, in the course of a day like that, you get a very great respect for these people who are in effect running circles around an American battalion. I remember looking up at a sergeant as we lay after about the 15th of these incidents and saying, do you ever feel like the Redcoats? And he said, yeah, I've been thinking that all day. J'ai commencé à comprendre que l'on ne pouvait pas battre cet ennemi sur son terrain. On ne pouvait pas gagner cette guerre. We were not going to win. Ces types ne renonceraient jamais. Dans l'avion du retour, avec McNamara, j'ai eu l'occasion de lui soumettre mon analyse d'une centaine de pages. Il n'avait pas emporté de lecture et j'ai eu la satisfaction, pour un bureaucrate, de voir mon patron lire mon texte et ne pas l'envoyer au panier. Il était donc parfaitement au courant de ce que je pensais de l'impasse vietnamienne et des raisons pour lesquelles la situation ne s'améliorait pas. Vers la fin du voyage, McNamara m'a fait appeler à l'arrière de l'avion et m'a dit « Dan, venez trancher notre discussion. Ce monsieur me dit que la situation s'améliore et moi, je pense que cela va plus mal qu'il y a un an. C'est vous qui savez, qu'en pensez-vous ?»
J'ai dit, je trouve que la situation n'a pas évolué d'un pouce en un an. Il a dit, vous voyez, c'est exactement ce que je dis. Nous avons engagé 100 000 soldats de plus en un an. Si la situation n'a pas bougé, c'est qu'elle a empiré. À l'arrivée, McNamara est descendu de l'avion, il y avait du brouillard et je le suivais. You ask whether I was optimistic or pessimistic. Today I can tell you that military progress in the past 12 months has exceeded our expectations. Il disait en substance, « Messieurs, ce que j'ai vu au Vietnam est très encourageant. Dans tous les domaines, la situation s'est améliorée, nous faisons des progrès, tout va mieux. » Et je me disais, « J'espère ne jamais avoir un poste où je serai obligé de mentir de manière aussi flagrante. » J'ai su que McNamara était de plus en plus sceptique sur l'issue de la guerre. En privé, il prônait une réduction des bombardements et la recherche d'une solution politique. Johnson a ignoré le conseil de McNamara. McNamara avait le sentiment, comme tout le monde aujourd'hui, que cette guerre était une erreur tragique et que nous étions dans une situation catastrophique. Il était important de comprendre comment nous en étions arrivés là. En juin 1967, McNamara commande au Pentagone une étude historique approfondie de l'engagement américain au Vietnam. Nous nous sommes adressés à la RAND Corporation pour recruter des spécialistes des études historiques, et l'un d'eux était Daniel Ellsberg. J'étais loin d'imaginer que ma participation à cette étude allait changer ma vie et le cours de l'histoire. Nous avons classé le dossier du Pentagone top secret. Chaque page était classée top secret parce que l'existence même de cette étude devait rester secrète. Ce n'était pas pour la dissimuler aux Vietnamiens qui n'en avaient cure, ni aux Russes ou aux Chinois. Nous voulions éviter qu'elle tombe dans les mains de Lyndon Johnson. Nous étions convaincus que si le président avait connaissance de ces travaux, il y mettrait un terme immédiatement. Johnson savait que McNamara ne croyait plus à la guerre, et il pensait qu'il y avait au Pentagone un groupe de civils qui étaient prêts à tout pour quitter le Vietnam. I don't want a man in here to go back home thinking otherwise. We are going to win. L'optimisme de Johnson va être ébranlé. En 1968, au Nouvel An vietnamien, une offensive à grande échelle prend l'armée américaine par surprise. Pour la première fois, la guerre touche les villes, y compris Saigon. L'offensive du Tet porte un coup sévère au moral des Américains et l'opinion publique commence à perdre confiance dans l'issue de la guerre. With a bold series of raids during the last three days, the enemy in Vietnam has demolished the myth that Allied military strength controls that country. The communists hit the very heart of Saigon, the capital. Quand l'état-major demande à Johnson l'envoi de nouveaux renforts, la requête est révélée par le New York Times. L'information déclenche un tollé au Congrès. I would feel that our people were badly misguided and did not understand the consequences of such a disaster. Well, we agree on one thing, that they can be badly misguided, and you and the president, in my judgment, have been misguiding them for a long time in this war. I realize now that my previous. Je comprends alors que je m'étais trompé. Je n'assumais pas mes responsabilités envers le pays, envers la Constitution, l'opinion publique et les soldats, en protégeant des informations secrètes qui avaient conduit à l'escalade du conflit. J'avais commis une faute. Mais comment faire pour changer la situation? Je rencontre Neil Sheehan, journaliste au New York Times, et je lui transmets des informations sur un rapport secret de la CIA sur l'évaluation des forces ennemies. L'information fait la une. C'est la première fois que j'utilise des canaux d'information parallèles pour peser sur le cours du conflit. Dan, quand avez-vous commencé le piano? À 5 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans. C'était important pour vous?
J'ai joué du matin au soir pendant 10 ans et puis j'ai arrêté pendant 40 ans. Que s'est-il passé? Ma mère est morte. C'est elle qui voulait que je devienne pianiste. Le 4 juillet 1946, nous roulions vers Denver à travers les champs de maïs de l'Iowa. Il faisait très chaud ce jour-là. Vers midi, mon père s'est assoupi au volant et la voiture a percuté un muret qui a éventré la carrosserie du côté où étaient assises ma mère et ma sœur. Elles sont mortes toutes les deux. J'étais assis derrière mon père et j'ai eu un traumatisme crânien et une fracture du genou. J'ai passé 36 heures dans le coma et plus de 3 mois à l'hôpital. Cet accident m'a sans doute permis de comprendre que quelqu'un que j'aimais, que je respectais comme mon père, un homme responsable, un dirigeant politique, pouvait s'endormir au volant et qu'il fallait le surveiller. Non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'était pas conscient des risques. Onze mois plus tôt, j'avais 14 ans à ce moment-là, Hiroshima et Nagasaki avaient été rayés de la carte. J'étais très frappé par cet événement, qui me semblait de mauvais augure. Ce que je considérais comme une décision moralement condamnable d'un président que j'admirais, Harry Truman, s'est confondu dans mon esprit avec le défaut de vigilance de mon père, qui avait entraîné la mort de ma mère et de ma sœur. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Never has so much power been used so ineffectively as in Vietnam. Après l'offensive du Tet, le soutien à la guerre s'effondre. Johnson renonce à être candidat en 1968. I pledge to you, we shall have an honorable end to the war in Vietnam. Richard Nixon remporte les élections en promettant une paix honorable. On avait convaincu l'opinion publique qu'il avait un plan secret pour mettre fin à la guerre. Henry Kissinger évoquait un retrait à terme de nos troupes du Vietnam. C'était un point de vue assez radical dans les cercles dirigeants. En clair, nous étions prêts à quitter le Vietnam si l'ennemi nous épargnait l'embarras de prendre le pouvoir immédiatement. Presque tout le monde, même moi, avait le sentiment erroné que Nixon était de cet avis. En fait, Nixon n'était pas du tout d'accord. J'ai soumis à Kissinger une série d'options que j'avais élaborées à la RAND Corporation. Il s'agissait de 6 ou 7 approches stratégiques au Vietnam qui devaient être examinées au cours du premier Conseil national de sécurité avec Nixon. Kissinger me dit, « Dan, vous n'avez pas envisagé la victoire. » J'ai répondu, « Je considère que cette option n'existe pas. On peut doubler les forces du contingent, cela calmerait la situation jusqu'à leur départ. On peut utiliser l'arme nucléaire et tuer tout le monde. Je n'appellerai pas cela une victoire. À mon sens, on ne peut pas gagner cette guerre. » J'en profite pour lui expliquer ce qui attend un homme qui, comme lui, va entrer dans le cercle restreint des fonctionnaires ayant accès aux informations les plus secrètes. Je lui ai dit, Henry, vous allez avoir accès à des informations ultra-secrètes dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Cela provoquera en vous différentes réactions. D'abord, une certaine jubilation d'avoir accès à ces informations. Ensuite, vous aurez le sentiment d'avoir été idiot parce que vous ignoriez ces informations. Mais cela ne durera pas longtemps. Bientôt, vous allez trouver que tous les autres sont des idiots. Que pourrait vous dire un expert s'il disposait des informations que vous possédez? Finalement, vous allez cesser d'écouter les avis de vos conseillers. Tout le monde était convaincu que Nixon avait été élu pour mettre fin à la guerre et que c'est ce qu'il allait faire. J'ai rapidement compris qu'il n'en était rien.
Mort Halperin travaillait pour Kissinger à la Maison-Blanche. À la fin de l'été 1968, Mort me dit « Nixon ne veut pas quitter le Vietnam et il menace d'intensifier les opérations. » En août 1969, j'ai lu les premiers chapitres de l'étude pour McNamara. En découvrant l'histoire de cette guerre depuis l'origine, j'ai été plus affecté que je ne le pensais. J'ai remis en question la légitimité même de la guerre. J'ai compris que c'était une guerre américaine depuis le début. Le président Truman avait aidé financièrement les Français à reprendre leur ancienne colonie, alors même qu'ils savaient qu'ils affrontaient un mouvement de libération nationale qui avait le soutien de la population. The cost of defending freedom, of defending America, must be paid in many forms and in many places. Eisenhower avait soutenu un dictateur brutal et annulé les élections de 1954 prévues par les accords de Genève au nom de la démocratie. While pretending to support democracy. We are attempting to help Vietnam maintain its independence and not fall under the domination of the communists. Kennedy avait menti au Congrès et aux Américains en prétendant qu'il n'envoyait que des conseillers militaires, alors que ses experts lui disaient que le Sud-Vietnam était perdu si on n'envoyait pas immédiatement des unités combattantes. We still seek no wider war. Comme ses prédécesseurs, Johnson a continué à mentir. Aucun président ne voulait voir son nom associé à l'abandon de l'Indochine aux communistes. Nous n'étions pas du mauvais côté, nous étions le mauvais côté. Cette étude montrait qu'il s'agissait dès le début d'une politique criminelle. Et un cinquième président poursuivait cette politique sans issue. Nous étions responsables de centaines de milliers de morts, d'un massacre que rien ne justifiait et qui faisait de nous des meurtriers. Il fallait arrêter les meurtres. Ellsberg était issu de cette puissante machine de guerre bureaucratique. Ses convictions s'étaient formées dans les entrailles de cette machine. Mais il a commencé à s'interroger sur ses activités passées. Qu'ai-je fait? Pourquoi suis-je allé au Vietnam? Que signifie cette photo de moi avec un fusil à la main? J'étais allé à cette conférence pour rencontrer des gens qui pratiquaient la résistance non violente. Un de mes amis m'a dit qu'il avait été trotskiste et syndicaliste. Je me suis dit, comment devient-on trotskiste? Il m'a dit, c'est comme le reste, on rencontre une fille et voilà. J'ai rencontré une Indienne qui était une disciple de Gandhi. Elle a eu cette remarque singulière. Je viens d'une culture où le concept d'ennemi n'existe pas. Il me semblait que le concept d'ennemi était aussi nécessaire que le zéro en arithmétique. Je sentais qu'il avait envie d'en savoir davantage. Il voulait s'informer parce qu'il avait vu des actes qu'il condamnait. Et il voulait y mettre fin. Voilà ce qui nous a rapprochés. Je me suis retrouvé à distribuer des tracts pendant une manifestation. Au début, je me sentais ridicule. Cela devait se voir sur ma figure. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de tout ça? Si un collègue de la RAND Corporation ou du Pentagone apprenait ce que je fais, il penserait que je suis devenu fou.
they would think I had gone mad. Those that impressed me. J'ai compris qu'il fallait être prêt à faire des sacrifices pour ses convictions en voyant ces jeunes gens qui allaient en prison parce qu'ils avaient refusé la conscription. L'un d'entre eux, Randy Keller, a pris la parole. Dans la foule, on m'a présenté un type qui avait un profil très différent de tous les autres, Dan Ellsberg. Il m'a expliqué ce qui l'avait conduit à quitter l'université de Stanford pour s'engager dans le mouvement contre la conscription. Imaginez ma situation. J'avais 25 ans et j'étais inculpé de 5 chefs d'accusation, passibles chacun de 5 ans d'emprisonnement. Il a dit, manifestement ému, « Hier, notre ami Bob a été incarcéré. » Et il a ajouté, « Il y a une semaine, David Harris, le mari de John Baez, est allé en prison. » Il a poursuivi, « Je me réjouis de les rejoindre, mais je ne suis pas inquiet, parce que je sais que vous continuerez le combat. » Tout le monde s'est levé pour applaudir. Les gens pleuraient. Moi aussi, je pleurais. J'ai quitté l'amphithéâtre et je suis allé me réfugier dans les toilettes. Je me suis assis sur le carrelage et j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré pendant plus d'une heure. J'étais assailli de pensées diverses. Je me disais entre autres, les meilleurs d'entre nous n'ont pas d'autre choix que d'aller en prison. Quand je t'ai entendu dire « Je vais aller en prison », j'ai eu l'impression qu'on me fendait la tête en deux. En fait, c'était ma vie qui venait d'être fendue en deux. Après t'avoir entendu, ma vie a changé. J'ai fini par me relever, j'ai passé de l'eau sur mon visage, je pleurais toujours. Et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mettre fin à cette guerre, maintenant que je suis prêt à aller en prison? This trick is called the square circle. Square. One of the things that stood out about Ce qui frappait chez Dan, c'est qu'il était très exigeant envers lui-même. Sa conversion était récente, et plus que les autres militants, il était obsédé par cette question. Comment ai-je pu faire ce que j'ai fait? Il a commencé à me parler de ce document mystérieux qu'il appelait l'étude. Il faisait manifestement allusion à un document capital qui pouvait retourner l'opinion publique. Dan s'engageait dans la contestation, mais il était encore partagé. Il est venu me voir à la Rand Corporation. Il m'a demandé de l'éclairer sur la situation au Vietnam selon les services de renseignement militaire. Je lui ai dit, d'accord, ça va prendre un peu de temps. All the Vietnamese have ever wanted is self-determination, really. He'd been in Vietnam. Il avait passé deux ans au Vietnam et avait une vision beaucoup plus radicale que moi. Nous avons eu de longues conversations, je le trouvais sympathique. C'est un garçon aimable, très direct, drôle et brillant. Il avait coupé les ponts avec ses anciens collègues à la Rand Corporation. Et il passait le plus clair de son temps avec moi. On sortait dîner ensemble avec nos copines.
Cela faisait jaser parce qu'il avait été un analyste de haut niveau. Ses rapports sur la torture, entre autres, ont fini par entraîner son licenciement. Après avoir quitté Rand, il m'a parlé des mensonges contenus dans les études qu'il avait menées, des mensonges qui perduraient. Je lui ai parlé d'une étude qui révélait que l'on avait menti au plus haut niveau. Je lui ai dit, Dan, tu devrais l'envoyer aux journaux. En gardant le silence sur ce que j'avais lu, je devenais complice. Les responsables politiques avaient caché ces informations à l'opinion publique et je participais à cette imposture. Au départ, j'avais une démarche d'analyste qui tente de comprendre les mécanismes de décision au sein de l'exécutif. Mais j'étais aussi partie prenante, même si j'avais un rôle de critique interne. Après avoir exprimé mes divergences, j'étais resté à mon poste d'observateur et je remplissais les missions que l'on m'assignait. Henry David Thoreau a dit « Le bulletin de vote n'est pas un simple morceau de papier. Il doit exprimer tout votre engagement et toute votre influence. Est-ce que j'étais prêt à renoncer à ma carrière, à mon accès privilégié aux informations top secrètes et aux décideurs? Et si je renonçais à tout ça? Est-ce que j'étais prêt à risquer des poursuites ?» Je me suis dit, j'ai dans mon coffre des centaines de pages qui éclairent cette politique du mensonge. Je ne veux plus cautionner cette imposture. Je suis allé voir Anthony et je lui ai dit, je suis prêt à divulguer l'étude dont je t'ai parlé. Je vais la rendre publique. Est-ce que tu peux m'aider ? As-tu une photocopieuse ? Je lui ai dit, j'ai ce qu'il te faut. J'ai commencé à photocopier l'étude pour McNamara à l'automne 1969. Chaque soir, après ma journée à la Rand Corporation, j'emportais plusieurs volumes dans ma serviette. Quand je passais devant le gardien, j'avais le cœur qui battait. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux dizaines d'engagements de confidentialité que j'avais signés au fil de ma carrière dans l'administration. C'était une tâche colossale. Il m'arrivait de travailler toute la nuit. À l'aube, je remettais les documents dans le coffre et je rentrais chez moi. J'habitais une maison sur une petite plage de Malibu. J'adorais faire du surf et j'en faisais tous les matins avant d'aller dormir. Je me souviens m'être dit, dans les vagues et le soleil, en regardant les collines de Malibu, et la mer que j'adorais, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu renoncer à tout ça? J'avais 13 ans à l'époque. Il m'a dit qu'il existait une histoire secrète de la guerre du Vietnam, qu'il voulait en faire une copie pour l'envoyer au Congrès. Il m'a expliqué que c'était un acte de désobéissance civile et m'a demandé si j'étais prêt à l'aider. Je ne crois pas qu'il avait vraiment besoin de mon aide, mais c'était une mission risquée et cela comptait pour lui. Il tenait à ce que je participe à cette action. Cet après-midi-là, j'ai commencé à photocopier le dossier du Pentagone. Mes enfants étaient partagés dans cette affaire, je ne m'en rendais pas compte. Leur mère, mon ex-épouse, estimait que j'impliquais les enfants dans une infraction à la loi, alors que moi, je pensais leur donner l'occasion de participer à une action historique. «
Je ne savais pas quand je serais découvert et arrêté, mais c'était une question de semaines. Comme je risquais de ne plus voir mes enfants qu'au parloir de la prison, je voulais que mon fils, âgé de 13 ans, soit témoin de ce que je faisais. J'étais convaincu d'agir pour la bonne cause. Je voulais qu'ils comprennent que je n'étais pas devenu fou. Une nuit, ma fille Marie, qui avait 10 ans, nous a rejoints. Elle se plaignait de devoir rester dans la voiture, alors je l'ai emmenée avec nous. Je lui ai donné une tâche. Tony copiait les documents, Robert les rassemblait, et Marie découpait la mention « Top secret » en haut et en bas de chaque page. Je travaillais quand soudain j'ai entendu frapper à ma porte. On frappe à la porte vitrée et je vois deux grands policiers en uniforme. C'était la police de Los Angeles. Je me suis dit, ces types sont très forts. Ils tombent sur cette charmante scène familiale avec ma fille de 10 ans et mon fils de 13 ans. L'air de rien, je referme le couvercle de la photocopieuse sur les documents top secret, je range un peu et j'ouvre la porte. Ils nous ont dit, l'alarme s'est encore déclenchée. Je réponds, désolé, il va falloir que j'apprenne à la désamorcer. C'est bon, essayez de faire attention. Je me suis dit que le type m'avait pris sur le fait en train de commettre le crime du siècle, entre guillemets, bien sûr. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai continué l'air de rien et je ne les ai jamais revus. L'étude comprenait 7000 pages en 47 volumes. Il a fallu des mois pour tout photocopier. Je mettais tous mes espoirs dans le Congrès. J'avais envoyé le dossier aux adversaires les plus déterminés de la guerre. J'étais convaincu qu'ils s'empresseraient de publier ces révélations. They had been against the war for years, years while I was supporting the war, longer than me, who said that they saw through the war, that they saw that it was wrong, and what I wanted them to do now, and what I still want them to do, and what they still can do, is to act. But no one did. Mais personne n'a bougé, meanwhile, alors que la guerre s'intensifiait. Et puis j'ai entendu un discours du député Mark Kloski. J'ai dit, je crois que l'on nous ment sur la situation au Vietnam, et j'ai décrit ce que j'avais vu un mois plus tôt. Il était rentré du Vietnam et avait fait des révélations sur les bombardements secrets au Laos. Enfin, un député qui employait le mot mensonge. Je me suis dit, voilà un homme qui aura le courage d'utiliser certains documents. On m'a fait passer un billet qui disait, vous avez raison et je possède des informations qui confirment votre déclaration. Il m'a répondu qu'il aimerait bien en discuter, mais qu'il devait repartir. Est-ce que j'étais prêt à l'accompagner et nous pourrions en parler pendant le vol? J'étais désespéré et j'étais prêt à payer mon billet pour pouvoir parler à ce député. Il était habité par sa mission et vivait cela intensément. Il ne souriait pas beaucoup, ne plaisantait pas, tenait absolument à me faire comprendre l'importance de ces documents. J'étais persuadé, et je le suis toujours, que ces documents constituaient une preuve sérieuse qui pouvait attirer l'attention. Nous étions tous hésitants parce qu'il s'agissait de documents top secrets et nous ne savions pas si nous étions dans la légalité. Mais ces documents constituaient une révélation et j'ai témoigné devant la commission Fulbright. Plus tard, je suis allé voir le sénateur et je lui ai dit, « Sénateur, je possède des documents qui, s'ils étaient rendus publics, provoqueraient un retournement de l'opinion contre la guerre. » Il m'a répondu, je les ai aussi. Il y avait de toute évidence une culture de la timidité au sein du Congrès. Il régnait une déférence envers l'exécutif et la crainte d'être catalogué comme traître à la patrie. On avait peur d'être accusé de trahir des secrets militaires. Ce devoir de réserve était si fort que même les sénateurs et les députés opposés à la guerre ne voulaient pas utiliser les documents que Dan Ellsberg leur proposait.
J'avais dit à mon ex-épouse ce que je faisais. Elle l'avait dit à sa belle-mère, qui l'avait dit au FBI. Le FBI était allé voir Harry Rohn, le président de la RAND Corporation, qui m'avait autorisé à consulter les dossiers du Pentagone. Son sentiment à l'époque, c'est que je n'avais enfreint aucune loi en transmettant ces documents aux sénateurs. Ils avaient le droit d'être informés. Mais je m'attendais à ce que le FBI s'intéresse très vite à moi. Pour éviter d'impliquer plus avant ses collègues chez RAND, Ellsberg rejoint une cellule de réflexion du MIT à Cambridge, au Massachusetts. Et il renoue avec Patricia. Je savais qu'il avait complètement changé de position à l'égard de la guerre. Nous venions de nous marier et il était question de l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Il m'a fait lire des extraits des dossiers. J'étais horrifiée par le machiavélisme, l'absence de sentiment des responsables qui employaient le langage des tortionnaires. Disait, nous allons donner un tour de vis supplémentaire aux Nord-Vietnamiens. Ou bien, essayons le supplice de l'eau. Je n'arrivais pas à croire que les dirigeants de notre pays puissent employer un tel langage et tromper ainsi l'opinion publique américaine. Et j'ai pleuré parce que j'avais compris qu'ils n'avaient pas le choix. Ils devaient les rendre publics. J'avais les larmes aux yeux, mais je lui ai dit, fais-le. En mars 1971, Ellsberg transmet le dossier à Neil Sheehan, un reporter du New York Times. J'entrais dans la chambre d'hôtel où nous nous étions installés, Neil et moi, et il m'a dit, jette un œil sur ce que j'ai reçu. C'était renversant. Des documents top secrets authentiques. Du général Wheeler au général Westmoreland, de Johnson à Taylor, ils y étaient tous. On pouvait remonter le cours de l'histoire. Oui, Kennedy avait violé les accords de Genève en envoyant des troupes. Oui, Johnson avait lancé les préparatifs militaires avant le début officiel du conflit. Je me souviens avoir écrit un article où je disais « Ces messieurs n'ont cessé de nous mentir de manière éhontée, et nous en avons la preuve. Tout démenti serait vain. » Les responsables du journal comprennent immédiatement que cette affaire était trop sensible et qu'il fallait éviter les fuites. Ils décident de ne pas poursuivre cette opération dans les locaux du New York Times et de louer une suite au Hilton. Nous devions prendre des décisions très délicates et il fallait prendre connaissance du dossier pour pouvoir nous déterminer. Nous avions besoin de temps. Ellsberg ne comprenait pas. Il n'arrêtait pas de nous harceler. Quand est-ce que le New York Times allait publier le dossier? Est-ce que nous allions vraiment le publier en lui donnant l'écho qu'il méritait? J'étais la source. Je considérais donc que je faisais partie de l'équipe. Je pensais qu'ensemble, nous allions faire prévaloir le premier amendement et informer l'opinion publique. Ce n'était pas comme ça qu'ils voyaient les choses. À partir du moment où on nous remet des documents, c'est à nous de décider de leur utilisation, de choisir ce que nous allions publier et quand. En mai 1971, il était prévu une manifestation à Washington avec des actes de désobéissance civique en bloquant des rues et des ponts. L'objectif était de paralyser l'activité à Washington pour souligner l'opposition à cette guerre qui suscitait une hostilité croissante. Noam Chomsky, Dan Ellsberg et moi-même, nous sommes allés à Washington pour participer aux manifestations. Dan était en quelque sorte le chef de notre groupe. Il nous disait quand il fallait se lever ou s'asseoir, quand il fallait avancer. Il était très directif et nous suivions ses ordres. Ce n'était pas très démocratique. On s'asseyait au milieu de la rue.
Ils nous envoyaient des grenades lacrymogènes et on partait en courant. Ils avaient déployé la garde nationale et la 101e division aéroportée. La contestation avait atteint un niveau sans précédent. Le publier ou pas, telle était la question. Neil et moi-même étions d'avis qu'il fallait le publier et que ça ne compromettait pas la sécurité nationale et qu'au contraire, c'était un geste d'utilité publique. Je savais qu'ils détenaient des documents top secret. Et en tant que conseiller juridique, on m'a posé la question suivante. Est-ce que l'on peut publier des documents top secret? Cela relevait de la loi sur l'espionnage. Selon l'interprétation de cette loi, elle pouvait s'appliquer à la publication du dossier du Pentagone. Nous, on bosse dans la salle des machines. On n'est pas sur la passerelle de commandement, mais on est au courant de la bataille qui fait rage au sommet, parce qu'on est aussi exposé. Le cabinet d'avocats qui conseille le New York Times depuis des décennies dit « Ne publiez pas, et d'ailleurs vous tombez tous sous le coup de la loi contre l'espionnage, et vous êtes bon pour la prison ». Cet aspect ne nous a pas échappé. Heureusement, Jim Goodell, le responsable du service juridique du journal, était d'un avis différent. Le New York Times prenait un risque considérable. C'était une question de vie ou de mort. Je ne parle pas seulement de l'emploi des 5000 collaborateurs du journal. C'est la survie d'une presse d'opinion dans un pays libre qui était en jeu. Nous savions tous, sans nous l'avouer, que nous n'avions pas le choix. On ne pouvait pas passer ce dossier à la trappe. Tôt ou tard, il allait refaire surface. Si on apprenait que nous n'avions pas eu le courage de le publier, quelle honte pour le journal. Nous savions que le directeur de la publication hésitait. Au bout de 10 jours, alors qu'on s'apprêtait à lancer cette énorme machine, on apprend qu'il a donné son accord. C'était une opération gigantesque. En 10 jours, on allait publier l'équivalent de 3 exemplaires d'Autant n'emporte le vent. Je me souviens que le samedi, le jour où on imprimait, Jimmy Greenfield a emmené le directeur au golf pour être sûr qu'il ne changerait pas d'avis. C'était un samedi soir. Dan et Pat Ellsberg, ma femme et moi, nous sommes allés voir Butch Cassidy et le Kid, que Dan avait déjà vu 7 fois et qu'il voulait revoir. Dan était très nerveux. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a répondu qu'il avait appelé un de ses amis au New York Times et que celui-ci lui avait répondu « Je ne peux pas te parler ». Le bâtiment est protégé par des gardes armés, les presses tournent et nous publions demain un document officiel top secret. This weekend, portions of a highly classified Pentagon document came to light for all the world to see and brought cries of outrage from Washington. The Pentagon papers make it abundantly clear how little the public knew of what was going on behind the scenes during... Its main effect is to refute the notion that we stumbled into the war. At the White House, a spokesman said President Nixon got his first look at the secret report when a copy was delivered to him today. This goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that was leaked out of the Pentagon? Sir, this is a devastating security breach of the greatest magnitude of anything I've ever seen. Did we know this was coming out? No, we did not, sir. I just start right at the top and fire some people. I mean, whatever department it came out of, I'd fire the top guy. Dans la première édition, il y avait un extrait d'un mémorandum du secrétaire adjoint à la Défense au secrétaire à la Défense McNamara. Je m'en souviens presque mot pour mot. Nous sommes au Vietnam à 10% pour aider les Sud-Vietnamiens, à 20% pour contenir les Chinois et à 70% pour sauver la face. Les femmes dont le mari ou le copain se battait au Vietnam pouvaient admettre qu'ils défendaient les Sud-Vietnamiens, mais apprendre que c'est uniquement pour sauver la face, voilà qui peut provoquer la colère.
Le lundi suivant, c'était devenu vraiment intéressant. Je suis allé au siège du New York Times et j'ai pris l'ascenseur pour l'étage de la direction. En arrivant, j'ai entendu une discussion très animée. Il venait de recevoir un télégramme de John Mitchell, le procureur général de Nixon, avec le message suivant. Nous vous ordonnons d'interrompre la publication immédiatement, sinon nous prendrons les mesures qui s'imposent. Voilà deux ou trois siècles que nous nous battons dans ce pays pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. La liberté d'opinion face aux menaces du pouvoir. Est-ce qu'on allait y renoncer parce qu'un type nous envoyait un télégramme ? A federal court has ordered the New York Times to stop publication temporarily. The government asked for and got an injunction against the Times. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, l'administration Nixon demandait à une cour fédérale une interdiction préventive de publication. A name has now come out as the possible source of the Times Pentagon documents. It is that of Daniel Ellsberg, 40 years old, one-time Marine, later a top policy analyst for the Defense and State Departments during the Vietnam buildup. There was no sign of Professor Ellsberg or his family at their home in Cambridge, Massachusetts. And we're looking on the television. Aux informations du matin, à la télévision, on voit des agents du FBI devant notre petit appartement à Cambridge. On se dit qu'on ne peut pas rentrer chez nous. On passe deux nuits dans un motel sous de fausses identités. Nous n'avons pas de vêtements, pas de brosse à dents, nous n'avons rien. Il sait qu'il est recherché, il sait qu'on va l'arrêter, mais il veut avoir le temps d'envoyer le dossier à d'autres journaux. Je sors d'une conférence de rédaction à 3 heures, le lendemain de l'injonction au Times, et mon assistant me dit « Tu devrais voir ce que c'est ». J'appelle le numéro qu'il me donne et j'entends une voix qui me dit « Si je vous donne ce que vous cherchez, allez-vous le publier ?» J'ai répondu, et comment qu'on va le publier? The Post picked up the Pentagon story where the Times left off, but was ordered to halt its publication of the material in a court ruling last night. Il était impossible de savoir quand le New York Times et le Washington Post reprendraient la publication du dossier à supposer qu'ils puissent le faire. Le dossier risquait d'être enterré si d'autres journaux n'étaient pas prêts à défier le gouvernement. Je savais que le sénateur Mike Gravel menait une action d'obstruction quotidienne au Sénat jusqu'à l'expiration de la conscription. Je me rendais dans la salle du Sénat pour ma séance quotidienne d'obstruction quand un correspondant inconnu m'appelle. Sénateur Gravel ? Oui. Êtes-vous prêt à lire le dossier du Pentagone au Sénat ? J'ai répondu oui. Et maintenant raccroché. Je lui dis, si vous êtes à court de lecture pour votre action d'obstruction, je peux vous donner de quoi tenir jusqu'à Noël. C'est Ben Bagdikian, un journaliste du Washington Post, qui m'a remis le dossier. Il était le plus jeune sénateur de l'Alaska et n'avait pas beaucoup d'influence. Il était président de la commission des parcs et bâtiments publics. Nous convenons de nous rencontrer dans un endroit discret près des colonnes du Capitole. À ce moment-là, Bob Dole m'aperçoit et vient me parler. Ben se cache derrière une colonne et j'essaie de me débarrasser rapidement de Dole. Je rejoins Ben qui a prévu de me remettre les documents dans un coin sombre du parc de Rock Creek. Je lui dis, Ben, on ne va pas procéder comme ça. À minuit, vous allez vous garer devant l'hôtel Mayflower. Je viendrai me garer à votre hauteur et on transférera les documents de votre coffre au mien. Je suis allé au rendez-vous dans ma Carmanguilla. Il m'attendait avec deux assistants. Je lui ai dit, c'est très lourd, vos assistants devraient vous aider. Il répond, non, je bénéficie de l'immunité parlementaire, pas eux. En quelques secondes, j'ai embarqué le dossier et j'ai filé. Alors que je me cachais, j'ai été contacté par l'homme le plus respecté en Amérique. Good evening. Daniel Ellsberg, a former State Department and Pentagon planner, and of late something of a phantom figure, agreed today to be interviewed at a secret location.
I ask him what he considers the most important revelations to date from the Pentagon documents. I think the lesson is that the people of this country can't afford to let the president run the country by himself without the help of the Congress, without the help of the public. L'interview de Dan est diffusée sur la chaîne nationale CBS, alors que le FBI est lancé contre lui la plus vaste chasse à l'homme depuis le kidnapping du fils de Lindbergh. Mais nous n'avions pas transmis tous les documents. Today another lid broke loose. The Boston Globe began its series based on presumably classified government documents. The Chicago Sun-Times entered the drama today by running a story which says that the Kennedy administration... Today, the 11 night newspapers and the Los Angeles Times joined the procession. The ball game was over. La partie était gagnée. Il était devenu impossible de censurer le dossier du Pentagone. Dan et son réseau avaient réussi à distribuer des extraits du dossier à 17 groupes de presse. On ne pouvait plus les arrêter. Comme l'a dit un avocat, on ne domestique pas les abeilles. La presse a dit, nous avons le droit d'examiner ces informations, de décider ce qui sert la sécurité nationale. Nous sommes indépendants du gouvernement. C'était une véritable déclaration d'indépendance qui modifiait pour toujours les relations entre les médias et le pouvoir. Chaque soir pendant deux semaines, les journaux télévisés ouvraient sur le dossier du Pentagone et lui consacraient 7 à 8 minutes. Je ne pouvais rêver meilleure couverture médiatique. On vivait toujours dans la clandestinité, accrochés aux journaux télévisés. Chaque jour ajoutait un nouvel épisode dramatique. Alaska's 41-year-old Democratic Senator Mike Gravel held a mock meeting of his subcommittee on buildings and grounds with only himself present and began reading aloud the 7,000-page Pentagon secret report in public. The papers prove that for 20 years, we have been victims of our Southeast Asia policy. J'étais mort de trouille en lisant le dossier. Je ne savais pas si j'allais me retrouver en prison. Je n'avais qu'une idée en tête. Mon pays tuait des gens, mutilait des Américains. Devant l'horreur de cette réalité, j'étais emporté par l'émotion. Ça n'était pas du patriotisme, mais de l'émotion de voir mes valeurs les plus chères totalement perverties. He continued until exhaustion and emotion overcame him after 1 o'clock this morning. Je me reprends et je demande officiellement à la commission dont je suis le seul membre que l'on verse ces documents aux archives du Sénat. En disant « pas d'objection, la motion est approuvée », j'entérine la décision d'un coup de marteau. C'est fait, le dossier du Pentagone est versé aux archives du Sénat. Il est dans le domaine public. Even if the FBI had wanted to arrest him outside the courthouse this morning, they probably couldn't have done it. Ellsberg was walled off by newsmen and supporters as he admitted that he was indeed the man who brought the Pentagon Papers to the press and congressional leaders. I did this clearly at my own jeopardy, and I am prepared to answer to all the consequences of these decisions. Dr. Ellsberg, you have any concern about the possibility of going to prison for this? We have a pushback. Ellsberg a été inculpé de vol et de détention prohibée des dossiers du Pentagone au titre de la loi contre l'espionnage. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il a été laissé en liberté provisoire. In one of the most important judicial decisions in the history of the country, the Supreme Court today ruled that the New York Times and the Washington Post may continue to publish the secret Pentagon Papers. The ruling was amazingly simple. It was that proving the need for prior censorship is a heavy burden, and the government didn't meet that burden. The decision was a great one. The story today is what the Constitution of this country means to us. I've never appreciated what the meaning and importance of separation of powers is so much as in the last week. Quand Dan Ellsberg a fait publier le dossier du Pentagone, c'était pour arrêter la guerre. Aujourd'hui, nous lui devons surtout cet arrêt de la Cour suprême. Sans doute la décision la plus importante de la Cour sur la portée du Premier Amendement. First Amendment decision in the court's history.
Je peux vous assurer que chaque jour, un avocat plaide le premier amendement en citant cet arrêt pour défendre la liberté d'expression et la liberté de la presse face aux attaques du gouvernement. Quand finalement la Cour suprême nous a autorisés à poursuivre la publication du dossier, cet arrêt établissait de manière irréfutable que l'argument de la sécurité nationale ne justifiait pas à lui seul une censure préalable. I wanted to tell you that I was so damn mad when that Supreme Court had to come down. First, I didn't like their decision, but I didn't either. Unbelievable, wasn't it? It was unbelievable. You know, those clowns we've got on there, I'll tell you, I hope I outlive the bastards. Persons close to the president vehemently deny that he is in any vengeful mood toward the New York Times or any other newspaper. As for fears expressed by reporters and editors that there is big trouble ahead from the administration, the Nixon men say that is pure paranoia, ridiculous. Mr. Ellsberg, or Dr. Ellsberg himself, has been hailed as a hero by a lot of people, condemned as a traitor by others. We welcome, please, the man who made the whole thing possible, Dr. Daniel Ellsberg. Je crois que ce qui s'est joué autour de la publication de ces documents, en raison de la personnalité et de l'expérience de Dan Ellsberg, a donné au dossier du Pentagone un écho qu'il n'aurait pas eu, ait été diffusé par un individu plus terne. Is there any way to answer in 30 seconds what people can do? I think one thing clued when they read it is that they have not asked enough. They have not expected enough or demanded enough in the way of boldness, in the way of responsibility from their public servants. Make that known, and I think that our Constitution will continue to function better than it has been in the past. Je crois qu'il a trahi la confiance dont il bénéficiait. Il a mis en péril sa carrière et celle de tous ses collègues. J'étais parfaitement conscient que mon meilleur ami, Harry Rowan, serait impliqué dans cette affaire. Cette violation des règles de sécurité avait lieu sous son mandat de président. Je savais qu'il serait affecté par cette action, qu'il risquait de perdre son poste, ce qui a été le cas d'ailleurs. E.M. Forster a dit, si je dois choisir entre trahir mon pays et trahir mon meilleur ami, fasse le ciel que j'ai le courage de trahir mon pays. Quand on m'a cité cette phrase, je l'ai immédiatement récusée. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des milliers de vies en jeu. Il s'agit de mettre un terme à une guerre. Peu après la publication du dossier du Pentagone, j'assistais à une réunion à l'Université de Californie. Il y avait là au moins une douzaine de types de la Rand, et pas un n'a serré la main de Dan. Aucun d'entre eux ne s'est assis à côté de lui. Ils le traitaient comme un traître. Traître à son pays ou traître à l'organisation. C'était difficile à dire. J'étais traité comme un lépreux, un pestiféré. J'ai compris que la peur d'être coupé du groupe de gens que l'on respecte et dont on veut être respecté nous pousse à participer à n'importe quelle mission, même la plus terrible. Whatever his intentions may have been, in your opinion, did Daniel Ellsberg betray his country? I would put it another way. Daniel Ellsberg, whatever his intentions, gave aid and comfort to the enemy. And under those circumstances, that is inexcusable. After all, he is putting himself above the President of the United States, above the Congress, above our whole system of government, when he says, in effect, that he would determine what should be made public. I think that there is probably Nixon avait de bonnes raisons d'être furieux.
Il prend une décision au sein du Conseil national de sécurité et le lendemain, il la retrouve à la une du New York Times ou d'un autre journal. Il est pratiquement impossible de gouverner dans ces conditions. Just because some guy's going to be a martyr, we can't be in a position of allowing the fellow to get away with this kind of wholesale thievery, or otherwise it's going to happen all over the government. I just say that we've got to keep our eye on the main ball. The main ball's Ellsberg. We got to get this son of a bitch. La fuite du dossier du Pentagone a complètement transformé l'atmosphère de la Maison-Blanche. C'est le début de ce que nous avons appelé la période sombre. C'était déjà mouvementé, c'est devenu le règne des coups tordus. C'est à ce moment-là qu'Eaglecrog, surnommé Bud Krog, a été recruté pour diriger ce que l'on a appelé l'équipe des plombiers. J'ai été convoqué dans le bureau ovale par le président. John Ehrlichman assistait à la réunion. On soupçonnait Daniel Ellsberg de s'être procuré les plans stratégiques les plus récents de l'administration et on craignait qu'il les rende publics. Je suis sorti de cette réunion convaincu d'avoir à gérer une menace grave pour la sécurité nationale et que je devais employer n'importe quel moyen pour l'éviter. Le président a décidé de former une équipe spéciale d'enquête à la Maison-Blanche. Est-ce que Daniel Ellsberg travaillait seul, avait-il des complices, était-ce une conspiration? C'est dans ce contexte que Howard Hunt a suggéré de trouver des informations qui pourraient servir à discréditer Ellsberg. On projetait une opération clandestine pour examiner le dossier en possession du psychanalyste de Daniel Ellsberg, Lewis Fielding. Le projet a été soumis à John Ehrlichman. Il a coché l'option « Approuver » en ajoutant « Si vous me donnez l'assurance que l'opération ne pourra pas nous être attribuée. » Le FBI est venu me trouver pour me dire « Vous êtes cité à comparaître aujourd'hui devant un grand jury. » Mon père était très choqué. Il avait le sentiment que ma mère aurait pu m'éviter cette épreuve en prenant un meilleur avocat. Ma mère lui a dit, « C'est toi qui l'as mêlé à cette affaire, et il va dire la vérité. » Mon père a répondu, « Bien sûr, il dira la vérité. » Ma participation à cette affaire, les gens que je connaissais et la reproduction des dossiers du Pentagone constituaient le dossier de l'accusation. J'avais décidé de ne pas témoigner contre lui. Après tout, je l'avais encouragé à le faire. The Attorney General offers me the alternative of collaborating with him in his attempt to prosecute Daniel Ellsberg by testifying in secret before a grand jury. For me, that is no choice. Il est incarcéré sur le champ et inculpé d'outrage à la cour. Il avait offensé l'accusation en refusant de coopérer avec le grand jury. Si Tony avait témoigné, il était libre. Je me suis souvenu de ce précepte de Gandhi. Il ne faut jamais coopérer avec le mal. En décembre 1971, Russo est inculpé d'espionnage et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il risque 35 ans de prison. Huit autres chefs d'inculpation, dont celui d'atteinte à la sûreté de l'État, sont ajoutés au dossier d'Ellsberg, qui encourt à présent 115 ans de prison. The Pentagon Papers drama changed abruptly into the Pentagon Papers media freakout and cameraman's farce as the documents arrived at the Senate. Dan était déçu parce qu'il attendait beaucoup de la publication des documents. Il espérait que le dossier provoquerait un scandale.
pour le scandale, c'était réussi. Where is Mr. Ellsberg? Mais il était déçu parce qu'il lui semblait que la substance, le contenu des dossiers n'avait pas été compris par l'opinion publique. I gave up my job, my career, my clearance, and I staked my freedom on a gamble. If the American people knew the truth about how they had been lied to, about the myths that had led them to endorse this butchery for 25 years, that they would choose against it. And the risk that you take when you do that is that you'll learn something ultimately about your fellow citizens that you won't like to hear, and that is that they hear it, they learn from it, they understand it, and they proceed to ignore it. En novembre 1972, le président Nixon est élu très confortablement. Il remporte 49 des 50 États. I remember speaking about a year ago and expressing the hope that we would end this war before we had dropped another million tons of bombs on the Vietnamese. Well, that hope has been disappointed. We could never get in. On n'a jamais réussi à faire passer dans la presse le tonnage de bombes larguées. Ils n'étaient même pas capables d'écrire. Et Ellsberg ont une manie. À chaque conférence de presse, ils disent : voilà combien de tonnes de bombes nous avons larguées la semaine dernière. Here's how many bombs we dropped last week. We've dropped another 200,000 tons of bombs on Indochina. That's 10 Hiroshimas. One Hiroshima a week. Ils n'en faisaient même pas mention. Ils passaient l'information sous silence. Quand j'ai compris qu'ils n'arrêteraient jamais de bombarder le Vietnam, c'est comme s'ils bombardaient mon quartier. Pour moi, ces hommes n'étaient pas que des silhouettes, ils n'étaient pas que des chiffres. Quand nous avons commencé la sélection du jury, nous avons fait appel à un expert, un psychiatre. Il nous a dit que nous défendions deux jeunes hommes brillants, des garçons à qui tout réussissait, promis à un bel avenir, mais qui étaient prêts à tout sacrifier, non pas pour eux-mêmes ou pour leur carrière, mais au nom d'un principe. Le psychiatre nous a dit : vous devez récuser les hommes dans la force de l'âge parce qu'il y a de fortes chances qu'ils aient, au cours de leur vie, sacrifié leurs principes pour leur famille ou leur carrière. Toute leur existence s'est faite sur ce compromis et ils n'éprouveront que du dédain et même du mépris pour ces deux garçons qui ont pris tant de risques au nom de leurs principes. For two men who did it for the sake of principle and took the risk. In Los Angeles today, Daniel Ellsberg returned to the witness stand in the Pentagon Papers case, and for the first time, the chief defendant spelled out how he changed from hawk to dove on the Vietnam War. When I was on the stand, pendant 4 jours et demi, j'ai pris la parole dans le box des accusés. J'ai évoqué un souvenir qui datait de 1966, un jour où nous approchions d'un village en flammes. Le village avait subi le feu de nos alliés vietnamiens. J'ai vu des enfants fouiller les braises de leur cabane pour récupérer une petite poupée en plastique. Ce spectacle m'a beaucoup attristé. La guerre avait détruit leur maison et leur vie. And their lives. At the Pentagon Papers trial in California today, it was revealed that the people who burglarized the Watergate also burglarized the office of Daniel Ellsberg's psychiatrist. Mr. Ehrlichman, are you telling me that the break-in to Dr. Fielding's office was to satisfy the President of the United States? The President wanted very much to make sure that a thing like this could not happen again. À l'époque, personne ne s'était demandé, est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Nous n'avons jamais évoqué la légalité, la moralité ou la dimension spirituelle de nos actes. Nous n'y pensions même pas. Nous avions perdu tout sens moral. Les révélations faites au cours du procès du dossier du Pentagone, selon lesquelles la Maison-Blanche avait envoyé les plombiers à Los Angeles, ont véritablement déclenché le scandale du Watergate. Pour couronner le tout, on a appris que le président s'était entretenu avec le président de la Cour. The man presiding over the Ellsberg case, Judge Matthew Byrne, today confirmed that Ehrlichman had offered him the job of FBI director. It didn't seem possible, but there were even more sensational developments today involving the White House. An admission from the Federal Bureau of Investigation that it had listened to Daniel Ellsberg on wiretaps as long as 2 years before he released the Pentagon Papers. Good evening. A federal judge in Los Angeles today declared a mistrial in the Pentagon Papers case. He dismissed all the charges against Daniel Ellsberg and Anthony Russo. The judge ruled that the government had so tainted its own case as to make a fair trial impossible. A presidential prosecution that started, we now know, in order to help re-elect a president, and it's ending now, I think, to avoid impeaching that same president. But it won't stop that process because the facts, thanks in part to this trial, are out on the table. They're out of the safes, just as the Pentagon Papers are out of the safes, and they're the same kind of facts. And they can't be put back in the safes. Son of a bitch, please. Is made a national hero and sending it off in a mistrial. The New York Times gets a Pulitzer Prize for stealing documents, for trying to get at thieves. What in the name of God have you come to? Alors que le procès s'achève, le Congrès a voté la fin des crédits de la guerre au Vietnam. L'action de Dan et la réaction excessive d'un président impérial ont changé le cours de l'histoire. Le comité judiciaire de la Chambre a donné son accord à la procédure de mise en accusation du président Nixon. À l'origine du scandale du Watergate, il y a la tentative d'étouffer le cambriolage dans l'affaire Ellsberg et la complicité de la Maison-Blanche. Menacé de destitution, le président Nixon démissionne de ses fonctions le 8 août 1974. Le résultat le plus spectaculaire de son action a été la démission du président Nixon. Je ne pense pas qu'il ait jamais envisagé ou voulu un tel dénouement. La guerre au Vietnam prend fin 9 mois après la démission de Nixon. Près de 2 millions de Vietnamiens et 58 000 Américains sont morts dans cette guerre. Le fait le plus saillant dans l'affaire du dossier du Pentagone, c'est la décision d'un fonctionnaire de faire passer sa conscience avant sa carrière. The fact is that secrets can be held by men in the government whose careers have been spent learning how to keep their mouths shut. I was one of those. If you have somebody who Dan avait fait un parcours remarquable dans l'administration. Il connaissait les rouages du système. Quand un homme comme lui ne cesse de dénoncer les mensonges, de révéler la vérité pour permettre à nos citoyens de prendre en connaissance de cause des décisions qui affectent leur existence, l'avenir du pays et le destin du monde, on ne peut que saluer ce lanceur d'alerte au sens le plus noble et le plus complet du terme. We as a people do have that power. The power to change ourselves and history. We are here today. I think the resonance that I feel. Ce qui me fascine chez Dan, c'est sa volonté de toujours suivre sa conscience, quelles que soient les circonstances. Je n'ai pas pu le faire quand j'étais au service du gouvernement. J'étais trop lié au groupe qui m'employait. Mais Dan n'a cessé de se battre pour la vérité. Quel parcours remarquable! Depuis ces événements, et ce pendant 30 ans, il a été fidèle à lui-même. Et
Cette affaire l'a profondément marqué et elle a changé le cours de sa vie. À partir de ce moment-là, il n'a cessé de participer au combat pour la paix et la justice sociale. Depuis cet événement, toute sa vie s'inscrit dans la droite ligne de sa décision de rendre public le dossier du Pentagone. The courage we need is not the courage, the fortitude to be obedient in the service of an unjust war, to help conceal lies, to do our job by a boss who has usurped power and is acting as an outlaw government. It is the courage at last to face honestly the truth and the reality of what we are doing in the world and act responsibly to change it. Restez avec nous. Dans un instant, après 10 minutes de géopolitique appliquée à l'Internet, nous irons en Chine et en Chine pour dénicher de quoi s'habiller.